BFM Bash vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres. Bureau commercial, si à la Riviera Palmeraie, route de Bégerville, Carrefour Ferronnerie. Contact 07 07 47 37. SFM Bash, votre événement, notre engagement. Yo la famille, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. C'est votre humble serviteur Héritor. Toujours moi. Comment ça va ici? J'espère que tous mes abonnés fidèles, mes vrais abonnés, ceux-là même qui me soutiennent, partagent, invitent les amis et parents à s'abonner à Héritor de Chers TV, vont bien. Franchement, je fais des vidéos pour vous. Et pour la musique ivoirienne. Grande fan de Debordeaux que je suis, je ne peux pas commencer cette vidéo, même si elle est dédiée à deux marques de téléphone. Sans parler du concert du 23 décembre 2018 de Kedjevara. Kedjevara Enjoy Party 1 avec des Bordeaux, Club Bailly et consorts. En tout cas, j'invite tous les manias à se déplacer massivement parce que le maître de Bordeaux, Likoufa, sera de la partie. Voilà, donc c'est un show à ne pas manquer. C'est vraiment un show à ne pas manquer. Juste après le concert de Yabongo et de Serge Velo, dans les différents coins. Le lendemain, ça sera le tour de Kedjevara et ses amis. Y compris son ami personnel, Debordeaux Likoufa, a fait le show du côté de la Palmeraie. Ça se passera au grand terrain de la Palmeraie. Bref, ceci étant, bien avant de vous donner le scoop, non, c'est pas un scoop, une info sur Bébé Philippe, parce que Bébé Philippe arrive avec du lot bientôt. On va parler maintenant du sujet de la vidéo. En fait, comprenez mes vidéos ces temps-ci, je ne suis pas derrière les vues, parce que les vues, j'en fais toujours et j'en ai fait beaucoup déjà. Je suis dans un lan de sondage. En fait, je veux faire un sondage pour voir les produits que nous utilisons qui se vendent mieux sur le marché ivoirien. C'est très important. Voilà, comme je sais que parmi vous, tout le monde a des smartphones, j'ai bien voulu faire cette vidéo-là sur Infinix et Techno. D'abord, pour origine, sachez que Infinix et Techno font partie de la grande multinationale Trans Holdings. On appelle ça Transion Holdings. Voilà, je ne suis pas trop bon en anglais. Mais comprenez ça comme ça. Voilà. À la base, Techno a été créé par son fondateur, George Zhou, en 2006. C'est une marque chinoise. Et Infinix, fondée en 2012 et créée en 2013. Je vais vous expliquer un peu. En fait, dans cette vidéo-là, c'est juste vous demander quel est le téléphone que vous utilisez. Soit c'est un Infinix, soit c'est un Techno. Voilà. Et quelle est votre préférence? Vous préférez plus les Infinix ou soit les Techno? Voilà. Puis maintenant, je vais vous expliquer un peu maintenant l'histoire. En fait, Techno était le premier produit du groupe Transion Holding. Mais les premières politiques d'insertion sur le marché africain, surtout ivoirien, n'a pas été bonne. Je vous explique comment. Vous vous rappelez de l'époque où il y avait la chinoiserie, voilà, où il y avait les téléphones, beaucoup de téléphones chinois là. Malheureusement, la marque Techno a voulu s'essayer aussi avec ces histoires de chinoiserie là, avec des téléphones pas trop de qualité. Pendant ce temps, les marques comme Samsung et consorts innovait vraiment dans le top niveau. Donc, à la limite, si vous voulez, ils ont fait un fiasco. Donc, ils se sont repliés. Ils ont essayé d'étudier le marché, étudier un peu le comportement des consommateurs, voir ce qui leur plaît vraiment. Quand l'avènement d'Android est survenu sur le marché, avec des marques comme Samsung qui sont vraiment démarquées, qui ont fait vraiment le boom dans ce secteur-là, Transion Holding a réfléchi et a voulu revenir sur le marché, mais pas avec Techno. Bien que Techno se comportait vraiment, vraiment mal sur le marché, ils ont décidé de venir avec une nouvelle marque. C'est ainsi qu'ils ont créé Infinix. Vous me comprenez un peu? Ils ont créé Infinix pour revenir sur le marché. Voilà, Infinix, on va dire, ce sont des téléphones acceptables, de très bonne qualité, qui ne sont pas haut de gamme. Mais vraiment qui
faisait de belles photos, de belles vidéos, qui avait une très bonne batterie. En tout cas, ils ont bien pensé le truc et ils sont venus avec Infinix. Et puis Infinix en 2013, boum! En tout cas, Infinix, je parle du marché ivoirien, a vraiment bousculé les ventes de Samsung dès sa venue, dès son lancement sur le marché ivoirien. Ils ont vraiment fait un gros boom. Mais malheureusement encore, le groupe Transion Holding a eu un problème et continue de connaître un problème avec Infinix. C'est au niveau du plantage à un certain moment donné d'utilisation du téléphone. Je ne sais pas si c'est chez tout le monde, mais moi, mes deux ou mes trois Infinix que j'ai eu, c'était ça. Le téléphone, il est performant, on va dire, les deux, trois premières années. Et après, il commence à perdre la tête. Soit il se plante, soit il s'éteint, soit il commence à se décharger vite. C'était tout un bobo. Mais mine de rien, Infinix se comporte toujours bien. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décider de revenir sur le marché avec Tecno, le premier produit. Et là, vraiment, 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 ils innovent. Ils innovent vraiment beaucoup. Et ils viennent par exemple avec un téléphone Tecno comme le Tecno Phantom. Il y a beaucoup qui l'ont utilisé, qui n'a rien envié au iPhone, qui n'a rien envié au Samsung. Et depuis le retour de Tecno sur le marché, franchement, on a assez dit la vérité. Même Infinix ne se retrouve pas. Parce que il fut une époque où c'était que des Infinix dans la main de tout le monde. Mais actuellement, regardez autour de vous, même actuellement vous êtes en train de regarder cette vidéo là, regardez autour de vous, c'est que des technos. C'est que des technos. Donc je fais cette vidéo là pour vous demander, c'est quoi votre préférence? Vous êtes plutôt techno ou Infinix? Moi perso, je vous laisse choisir. Voilà, parce que moi je n'ai pas de choix à faire. Moi j'utilise tout. Voilà. Parce qu'ils sont en train de me contacter, tout ça, pour faire certaines choses. Donc je ne peux pas venir dire que je choisis tant pour laisser tant. Voilà. Donc j'ai vraiment besoin de votre avis. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt techno ou plutôt Infinix. Parce que actuellement, techno est vraiment revenu en force sur le marché et se comporte superbement bien. On dira pour la basse classe, hein. Non, la moyenne classe, pas la basse classe. La basse classe, c'est un peu injurieux. Pour la moyenne classe, 6 personnes sur 10 en Côte d'Ivoire, 6 personnes sur 10 en Côte d'Ivoire utilisent Tecno. Vous pouvez vérifier autour de vous, hein. Vous allez voir que je ne suis pas en train de vous mentir. J'ai fait mes recherches, j'ai observé autour de moi-même, j'ai mené mes enquêtes et puis je vous donne ces informations. En fait, simplement un exercice, essayez. Si vous montez dans un transport commun, si vous êtes dans un lieu public, vérifiez autour de vous. Je ne parle pas d'iPhone, je ne parle pas de Samsung. Il dit actuellement, 6 personnes sur 10 utilisent Tecno. Voilà, c'est vrai que Infinix se comporte bien, mais actuellement, Tecno a vraiment volé en éclat dans les ventes. Ça, il n'y a rien à dire. Tecno est venu vraiment, vraiment, vraiment très fort parce qu'ils n'ont vraiment rien envié à Apple, à Samsung, à tous ces grands téléphones qu'on connaît là. Voilà, donc franchement, j'ai vraiment besoin de vos avis. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt Tecno ou Infinix. Parce qu'actuellement, Infinix, c'est pas trop ça. Voilà, je les sens plus trop. C'est vrai qu'ils ont fait feu depuis un bon bout de temps. Mais actuellement, là, c'est Tecno, le boss. Voilà, c'est Tecno que toutes les femmes utilisent. C'est Tecno, les gars moyens comme nous utilisent, tranquille quoi. Voilà. Mais faut toujours respecter aussi Infinix parce que c'est une très bonne marque de téléphone. Ils font de très belles choses. Le Infinix Note 5 est très performant, il est très bon aussi. Et vous pouvez aussi aller visiter le site des Tecno et des Infinix pour voir le dernier modèle. Franchement, j'ai besoin de vous en commentaire. Dites-moi si vous êtes plutôt Tecno ou Infinix. C'est un sondage que je suis en train de faire qui va porter ses fruits peut-être un jour. Voilà, c'est très important aussi. Donc c'est un peu ça. Et ce que je voulais vous dire aussi sur Baby Philippe, c'est que Baby Philippe a fait un direct récemment. Je ne sais pas si vous avez regardé avec moi, où il annonce du loup. Il annonce du loup, Baby Philippe. Il est fatigué d'arranger. Il veut chanter un peu. Donc aux environs de 20h30, je vais vous mettre sa vidéo où il explique un peu tous ses projets et tout ça. Franchement, le game sera vraiment relancé. Relancé de se relancer. Voilà. C'était votre humble serviteur Ritor. Partagez mes vidéos et soutenez-moi.
parce que je vois loin, je vois grand. Je vois loin, je vois grand. Voilà, comprenez ça avec moi. Je vois loin et très grand. Béhu Philippe, je vous passe son direct. Pour ne pas dire sa vidéo où il donne toutes les infos à 20h30. Et n'oubliez pas de choisir un techno ou un Phoenix. J'ai vraiment besoin de vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, ciao.